faire du théâtre à la Foire du Béret, c'était un peu un paradoxe parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de perturbations. Bon. Et donc, on a hésité à le faire. Et après, on s'est rendu compte que le théâtre et la foire ont une histoire intime, très intime, parce que les comédiens au Moyen-Âge jouaient dans les foires. Et c'est là que les comédiens trouvaient leur public. Donc il y a tout un répertoire de théâtre qui a été écrit pour le théâtre de foire. Une vingtaine de troupes. On avait commencé au mois de novembre l'année dernière à se réunir, à parler du projet, à imaginer ensemble les choses. Et puis, dans le printemps, on a commencé les répétitions. Chacun avait choisi ses textes. Il y avait des consignes que j'avais données à tout le monde, c'est-à-dire réussir à faire des petits spectacles de 7 minutes, maximum 15 minutes, de façon à ce qu'on puisse les jouer en alternance et en continuité sur la foire. L'idée qu'on a eue, c'est de raconter l'histoire du théâtre, à travers le costume, à travers les accessoires. C'est pour ça que la galerie, elle est construite sur l'idée de 25 siècles de théâtre. C'est-à-dire qu'on traverse la galerie depuis les Grecs, en passant par le Moyen-Âge, le théâtre médiéval, puis le théâtre de la Renaissance, le théâtre classique, le théâtre de boulevard, puis le théâtre contemporain. Voilà, c'est un grand circuit comme ça, dans une petite histoire du grand théâtre. Nasreddin avait un fils qui ne se trouvait pas beau. Il était très complexé, à tel point qu'il ne voulait pas sortir de chez lui. Je fais une fresque pendant toute la foire, pendant les 4 jours.